Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis CBFI, on se retrouve pour l'ultime, le dernier sneak peek, le bouquet final, plus final que bouquet, puisqu'il s'agit de la nouvelle défense qu'on avait vue, on a aperçue lors de la ClashCon. Et pour vous en parler, je suis en compagnie de Lord Val, salut à toi. Bonjour Bruno et bonjour à tous. Alors cette nouvelle défense, voilà, elle a été un petit peu revampée, vous allez voir, au niveau de la manière dont elle met des dégâts. Hein, l'effet, le jet de pipi apparemment, ça n'a pas plu à tout le monde. Et du coup, maintenant, on a des espèces de petites explosions comme ça, comme vous allez pouvoir le voir juste après, là, dès Ouais, que ça c'est va plus toucher un les troupes. laser, c'est des obus maintenant. Voilà, c'est plus un laser, c'est des obus. On essaye de revenir un petit peu, on a enlevé le côté Star Wars, on essaye de revenir sur les Vikings. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à être un peu plus cohérent. Et ben, je vais vous laisser d'abord, laisser plutôt notre ami Nordval nous donner quelques petits points d'abord sur cette nouvelle défense. Alors, Supercell nous dit que, bien évidemment, il sera disponible pour l'HDV11, hein, n'espérez pas l'avoir avant. Il a une portée presque illimitée et il cible les ennemis avec des obus explosifs. Il est assez lent comme défense. Il existe deux niveaux de cette défense disponibles donc pour l'HDV11, donc level 1 et level 2. Oui, et comme on l'avait vu en avant-première, il ne s'activera que si un nombre important de troupes sont déployées sur la map. Voilà, on n'a pas d'infos encore sur la quantité. Est-ce que c'est un nombre de troupes? Est-ce que c'est un nombre au niveau de capacité de troupes? Voilà, est-ce que 30 barbares est considéré comme un golem et vice-versa? Je ne sais pas. Pareil, côté aérien, terrestre, a priori, ça cible tout. On nous a pas parlé d'un mode à activer. Donc, bon, ben. Voilà, je sais pas. On n'en sait pas plus. Je suis un petit On peu n'a pas déçu du fait qu'on nous ait pas dit beaucoup plus que par rapport à la Clash Con. beaucoup d'infos par rapport à la ClashCon, effectivement. Et dans les vidéos, dans les gameplays de vidéos qu'ils nous ont fournis, ils n'ont même pas cliqué sur la défense pour nous montrer son rayon d'action. Donc on ne sait pas s'il a une zone où il ne peut pas attaquer. On ne connaît pas vraiment sa portée à part presque illimitée. Voilà, Donc donc c'est c'est le pas dernier grand-chose de sneak plus. peek, c'est ce qui a été dit, donc sur le forum officiel. La mage sera, alors la mage aura lieu le 10 décembre. Jeudi. Voilà, c'est ce qui a été annoncé officiellement sur le forum. Ils ont dit rentrez vos hôtels de ville, etc. Informez vos camarades des changements sur les boucliers, etc. et tout ça. C'est jeudi. Voilà, c'est jeudi. D'ici jeudi, on aura peut-être d'autres gameplays qui vont être fournis par Supercell à travers Facebook et Twitter. Donc, on essaiera peut-être de vous fournir ça voilà, d'ici jeudi en vidéo, parce que peut-être qu'on en saura un peu plus. Et puis, pour ceux qui s'inquiètent du côté cheaté de la défense, regardez, là, finalement, on a vu avec le nouvel héros et un full dragon que, voilà. On a eu un presque 60%. Bon, il n'y a pas pris hôtel de ville, mais je veux dire, bon, on imagine qu'en travaillant un peu son attaque, ça pouvait le faire, quoi. Donc ça a l'air équilibré tout ça. Absolument. Je ne pense pas qu'elle fasse autant d'impact que ce qu'il nous avait montré à la ClashCon. Donc en attendant, les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Likez la vidéo, postez des petits commentaires. Peut-être qu'on se verra en live, comme je le fais régulièrement, pour en parler, pour en débattre. J'espère que cette nouvelle défense vous plaira. Lord Val, à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.